Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors je vais vous proposer un petit haul là de ce que j'ai pu me trouver à Action, donc j'en reviens. C'est une grosse partie de scrap et puis il y a des petites choses comme ça que je m'achète moi pour ma vie quotidienne. Je vais vous les présenter en même temps, ça peut vous intéresser éventuellement. On va commencer par les sets de table. Je me suis trouvé des sets de table, donc là ils en avaient plein de sortes. En tissu ou en PVC, ça c'est du PVC, avec des motifs dans le tissage ou avec deux, trois couleurs. Alors voilà, moi j'ai pris tout simple, c'est un verre, alors je vais vous montrer avec du papier. C'est un verre un peu fougère. Et je pense que ça ira très bien, j'ai une table en bois à l'extérieur, je pense que ça ira très bien pour, voilà, pour manger dehors. Donc là, ceux-là, ils étaient à 0,89 €. Ben, vraiment, ils avaient des tout petits prix. Donc ça, c'était pour les sets de table. Je vais vous montrer les papiers que je me suis trouvé aussi. Alors, hop, j'ai pris un comme celui-là. Ils appellent ça mix and match. Donc, hop, voilà, wonderful. Donc celui-là, 24 feuilles et x2. Enfin, 24 design x2 et 250 grammes pour la feuille. Donc je vous montre rapidement. Hein, vous les avez peut-être déjà vus. Hop. Ça c'est pas mal, on a quand même pas mal de motifs. On peut faire des étiquettes, mais on peut aussi les détourer pour s'en servir pour créer des embellissements. Et j'aime bien ce principe-là. Voilà, les couleurs sont très sympas, c'est pétant, c'est très estival. Hop, là. Vous avez vu les étiquettes, les couleurs, enfin vraiment c'est génial là. Pour l'été, top. Avec des tout petits motifs, des bandes. Ouais, je pense que ce sera pas mal pour faire des petites créas. Franchement, ça va être cool. Hop, j'ai hâte de l'utiliser. Donc celui-là, il était à 2,22 €. Je me suis pris aussi alors deux blocs de celui-là parce que je pense que je vais faire plus d'une créa, enfin un petit ensemble en fait de créa là-dedans. Et je rechigne toujours à taper dans les papiers préférés quand j'en ai qu'un. Donc bah voilà, comme ça, je n'hésiterai pas. Alors ceux-là, ils étaient à 2,69 €. Donc c'est le time to celebrate today. Et donc on a pour cela 30 feuilles. Et c'est du 230 grammes. Ah, j'adore les couleurs. Donc ça c'est des petits macarons, les étoiles. On a des étiquettes. Hop, je crois que j'en ai passé une. Non. Petit confetti. Là aussi. Des petits nounours guimauves ou bonbons. Hop, des petites ampoules festives, côté festif, voilà les petits fanions. Là, on a quatre grosses cartes. Ça fait très. Enfin, ça fait anniversaire, ça fait. Voilà. Je les utiliserai peut-être pas celle-ci. Donc là, des petits confettis de nouveau. Des cadeaux, ça j'aime pas trop. Bon, pourquoi pas. Et là, c'est des toutes petites étoiles sur un fond blanc. Voilà, donc ça c'était, donc oui, si je vous l'ai dit le prix, 2,69 €. Je me suis repris aussi un bloc comme ça, là, les blocs noirs, craft et blanc avec du papier fin et du papier épais. J'aime bien utiliser ce papier blanc-là, j'aime bien sa texture, il est très lisse. Et donc celui-là, ça coûte 1,99 €. Voilà pour les papiers. Qu'est-ce que je me suis pris encore? J'ai pris des pailles. Donc des petites pailles comme ça, elles sont en plastique, c'est réutilisable, ça passe au lave-vaisselle. Je préfère franchement aux pailles en papier. Enfin, les enfants, ça part en morceaux quand ils les utilisent. Donc, je me suis dit que ça servirait pour, voilà, pour cet été. Ça pourra aussi me servir pour mes embellissements en scrap, pourquoi pas. 0,69 € l'unité. Et donc, on avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris jaune. Je me suis pris, à rien à voir avec le scrap. Hein. Pour les brosses à dents électriques Oral-B, moi, j'ai pris ça, c'est compatible. Et franchement, par rapport au prix, ça vaut vraiment le coup parce que je crois que c'est 7 € les deux brosses à dents chez Oral-B pour les brosses à dents de base. Et là, c'est 3,45 € et on en a 8. Voilà, donc comme ça, on n'hésite pas à changer la tête de la brosse à dents dès qu'il y a besoin. J'ai aussi pris de la colle. Alors ça, c'est pour le scrap. C'est la super glue 3 x 3 grammes. Donc il y avait deux sortes différentes. Je l'ai trouvée dans le rayon fourniture scolaire. Ok? Donc il y avait oui une autre sorte et je crois que c'était seulement deux petits flacons de colle. Donc celui-là, il colle la céramique, le caoutchouc, le bois, le métal, le verre et le plastique. Et en fait, c'est de la cyanoacrylate. Donc moi, je m'en sers pour différentes petites choses en loisirs créatifs. Et par exemple, si vous avez vu
le tuto où je fais des petites perles, où je remplis avec des petites choses à l'intérieur, je colle un intercalaire dessus et tout, c'est de la colle cyanoacrylate que j'utilise. Et ça tient bien. Donc voilà, très bien. Et là, franchement, elle n'est pas chère, 0,59 €. Je ne l'ai pas encore testée celle-ci, je ne sais pas si elle est vraiment de qualité, mais par rapport à ce qu'on trouve en supermarché, par exemple, où moi j'achète d'habitude, bah c'est nettement inférieur en termes de prix. Donc voilà, on va tenter. J'ai pris aussi ça, hein, qu'on ne vous présente plus pour celles qui les utilisent, bien sûr, c'est les petits, c'est le petit blending tool, pardon. C'est donc un outil de mélange de couleurs. Donc c'est pour faire les fondus avec les encres. Donc j'ai vu certaines scrapeuses qui les utilisaient en tuto ou alors qui les faisaient des tests après des hauls. Et en fait, elles avaient l'air pas si insatisfaites que ça. Au début, je pensais que c'était pas génial en qualité. Et vu les retours, ben, je me suis dit que j'avais. Enfin, voilà, je voulais tester. C'est pareil, 0,99 €, j'ai pas pris un grand risque. Si ça le fait pas, voilà, j'aurais pas de regret en fait. Alors, je vous pose ça là. J'ai pris des dies. Non, avant les dies, je vais vous montrer d'autres petites choses pour les embellissements que je me suis pris. Donc des paperclips, des trombones. Alors, je les ai déjà ouverts. Ça, c'est une grosse boîte, hein, il y en a 60. C'est 0,56 €. Et en fait, ils sont plus grands. Ils sont plus grands que ceux qu'on trouve dans le commerce, les basiques. Ils font ben, 5 cm de long. Voilà. Ça m'évitera d'en commander et d'en faire venir de super loin. Bon, hop, je pousse comme ça. Je m'en suis pris aussi des beaucoup plus grands. Donc ça, vous avez peut-être déjà vu aussi dans les hauls. C'est sorti il y a un petit moment là. Ils sont à 0,79 €. Combien on en a? 15 or et 15 argentés. Voilà, je vous les montrerai peut-être pas très bien. Alors, je vais ouvrir pour que vous les voyez. Ce sera plus simple. Ah, ils sont mêlés. Donc voilà pour les couleurs. Alors c'est vraiment des grands. 8 cm de long. Génial, hein? À ce prix-là, voilà, j'ai pris deux pochettes du coup. Franchement, c'est carrément intéressant. Pour faire des paperclips, moi j'aime bien faire des embellissements, des choses comme ça. Pareil, j'ai pris au même endroit. Hein. Et donc tout ça, c'était dans les fournitures scolaires. J'ai pris aussi les petites pinces or et argentées, qui sont aussi à 79 centimes. Il y en a 8 de chaque. Hop. Voilà, je vous montre ça. Donc ceux-là, ils sont de taille classique. Hein. Au niveau de l'ouverture, j'ai 1 cm, un petit peu moins qu'1 cm. Et bah, la qualité, ça le fait. Hein. Voilà. Là, on fera des petites choses aussi avec ça. Pour tenir un mini-album, par exemple, ça peut être super cool. C'est la fée bricoleuse, c'est Audrey que j'ai vu qu'on avait acheté aussi des grands pour faire justement son pour faire un mini et franchement l'idée est carrément bonne. Alors, je me suis pris aussi des perles. Donc au niveau des couleurs, c'était pas trop ce que je préfère. Je trouvais ça, je fais du bruit, excusez-moi. Je trouvais ça un peu terne, mais je me suis dit qu'avec d'autres mélanges de couleurs, ça le ferait. Donc celle-ci. Alors, petite mise au point. Voilà. Donc, alors, les prix, c'est 79 €. Hein, 79 centimes, pardon. Les sachets de perles. Donc, on a les vertes qui font un effet un peu marbré, elles font 1 cm. Et les bleus, effet marbré avec des stries, elles font 8 mm. Hop, je suis désolée, j'ai fait claquer ma règle en métal. J'espère que je ne vous ai pas explosé les oreilles. Donc j'ai pris cette couleur. J'ai aussi pris celle-ci. Donc là, c'est nacré. Voilà. C'est un vert un peu bleu. Un peu bleuté quand même. Mais c'est vert à la base. Donc là, bah, c'est des 8 mm. Voilà. J'ai pris pour les blanches. Hein, parce que les blanches, ça va aller avec tout. Hop. Et j'en ai pris, là j'aime beaucoup plus la couleur. C'est un peu corail. Une couleur que j'aime bien. Alors je vois que j'en ai une qui est un peu particulière. Voilà, celle-ci là, elle est un peu particulière. Ouais, il y a des petits reflets dedans. Et celles-ci, elles sont un petit peu plus grosses. Elles font 1 cm. Voilà.
Donc chaque sachet 79 centimes, je vous disais. Hop, petite remise au point, ouais, ce sera mieux pour vous. Je me suis pris des fils de métal, voilà, comme ça. Pour faire, je vous l'ouvre pour vous montrer. Je me suis en fait acheté la Happy Jig de Wear Memory Clipper. Et pour le coup, j'ai refait le stock de fils de métal parce que j'ai fait plein de tests. Bon, voilà, je me suis amusée à faire plein de petites choses. Donc j'avais bien tapé dans mon stock de fils de métal. Il fait 1,5 mm de large et on a 5 mètres pour 74 centimes. C'est très compétitif. Donc ça, c'est du rose. On a aussi... Je vais vous les ouvrir hors caméra. Voilà, les sachets étaient assez résistants. Donc j'ai pris bleu ciel. Voilà. Et j'ai pris aussi un vert. Voilà, vert clair. J'aime bien ces trois couleurs. Il m'aurait fallu un petit peu de jaune avec. Je pense que ça aurait été super bien pour les couleurs que j'ai envie de scraper là cet été. Et j'ai pris un bleu qui est un peu plus prononcé, qui va vraiment plaire à mon fils parce qu'il adore ce genre de bleu. Les bleus nuit carrément. Donc voilà, je lui ferai quelque chose aussi pour lui. Ça va être rigolo. C'est bientôt son anniversaire en plus. Voilà, donc ça c'est les fils métalliques. Je vous ai donné le prix, je crois. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Eh ben, j'ai pris des perles. J'ai encore pris des perles. Alors, je vais vous ouvrir la boîte. Hop. Parce que vous allez avoir droit au reflet. Tac. Voilà ce que j'ai trouvé comme boîte. C'est sympa, hein? Alors, zut, je l'ai ouverte avant de regarder le prix. 4,39 €. Voilà, j'ai annoté mes petites boîtes comme ça, enfin mes petits achats, comme ça je vous donne le prix directement, c'est plus simple. Donc on a donc les lettres rondes avec écriture noire, on a les carrés avec l'écriture dorée, puis un petit effet marbré sur les côtés. On a les carrés dorés carrément avec l'impression noire, et puis on a aussi les ronds dorés avec l'impression noire. Et noir avec impression blanche. Donc avec ça, déjà, je me dis que je vais avoir de quoi faire varier. Ça va aller quand même avec pas mal de choses, puisque le doré, on l'utilise facilement en scrap, je trouve. Je vais voir si vous avez la bonne mise au point. Ouais. Et des petits smileys ronds, pourquoi pas. On a les petites perles, ça j'adore. Les petites perles saumon clair. Je sais pas trop pourquoi ils les ont mises avec, parce qu'au niveau des couleurs, ouais, pas forcément, mais ça marche bien quand même. Hein. Mais ça ne me serait pas venu à l'idée dès le départ, comme ça. Et on a celle-ci, alors c'est doré, mais à mon avis, enfin, on voulait un effet doré, mais c'est plutôt bronze, je trouve. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez la couleur. Et mat, donc c'est rigolo. Et puis donc, celles-ci, elles sont noires brillantes. Voilà. C'est joli. Voilà, avec ça, à mon avis, j'ai de quoi faire. Et puis, j'aimais bien la forme de la boîte, elle est toute simple. Hop. Voilà donc pour cette boîte de perles. Donc là, ça y est, on a fait le tour des perles que je m'étais achetées. Je me suis aussi pris des rubans. Donc j'ai pris trois rubans, un peu dans les couleurs de ce que j'ai envie de faire cet été. Hein. Le ruban, c'est 0,89 €. Donc du rose, j'en avais déjà pris, mais j'ai bien tapé dedans. Du rose avec un petit motif géométrique blanc dessus. Après, celui-là, c'est pas un mint, hein, c'est un vert. C'est un vert. Voilà, c'est un vert, je sais pas vous le décrire. Et puis donc un jaune. Alors pour les dimensions, celui-ci il fait 2,2 de large, celui-ci il fait 1,8 cm de large et celui-là il fait 3,7 ou 3,6. Voilà, j'aime bien aussi la variété, enfin quand ils font varier comme ça les largeurs, on peut faire même avec des superpositions, en fait, on va arriver à avoir des trucs sympas. Donc je me suis pris ces trois-là. Je vais vous montrer aussi un autre tampon bois que je me suis acheté. Celui-là, je ne l'avais pas. Je ne sais pas s'il n'est pas sorti juste cette année. Ils en ont d'autres qui sont là depuis quelques mois. Celui-ci, il doit être plus récent, j'ai l'impression. Enfin, je ne l'ai pas vu dans les autres achats que j'avais fait à Action avant. Peut-être qu'il n'en avait plus. Donc, petite enveloppe avec des fleurs, j'aime bien. Voilà. Et donc ça vaut 99 centimes. Voilà. J'aime bien, hein, ils sont fins au niveau du tamponnage, le résultat il est quand même pas mal du tout. Alors je vais vous pousser ça pour vous montrer la suite. Tac tac tac. Voilà. Donc je me suis trouvé des dies. Alors, pour les dies que j'ai trouvé, c'est pas forcément des grosses nouveautés, hein, mais voilà, moi je m'en étais pas acheté depuis un petit moment à Action. Donc celui-ci qui fait cornet de glace, qui fait aussi le petit pot de glace, qui peut aussi faire parapluie, avec des petites gouttes de pluie. Voilà. La taille est assez grande.
Par exemple, le cornet, si je le prends du haut jusqu'au bas, il fait 6 cm de large. Et le plus grand des nuages, 5,5. Donc, ce que j'aimais bien aussi, c'est que là, on a le détour. On peut faire un shaker avec ça. Voilà, directement. Donc, ça, c'est bien, parce qu'avec Action, souvent, enfin, c'est pas souvent qu'on a de quoi faire des shakers qui s'est fourni. Enfin, c'est souvent à nous de les faire. Enfin, de transformer, en fait. Alors, c'était 3,39 € et je vais vous montrer. Donc, déjà, ce qu'ils proposent en. Voilà, leur petit modèle. Ok. Donc le petit cupcake aussi, ouais, que je vous avais pas cité. Le parapluie qui peut aussi faire ombrelle, pourquoi pas. Et donc la petite série des dice qui vendent, voilà, assortie. Donc l'appareil photo, la lune et l'étoile, la petite montgolfière qui est un petit peu trop simple à mon avis. Voilà, le cœur avec plein de petits cœurs à l'intérieur et puis les chiffres. Bon, on ne faisait pas envie hein, les autres. Donc ça, c'est ma première planche de dice. Je me suis aussi pris cela à 3,39 €. Donc des petits animaux. Je ne sais pas ce que ça donne. J'ai vu que certaines l'avaient acheté il y a un moment déjà. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais voilà, j'avais envie de diversifier un petit peu aussi ce que j'ai au niveau de mes dice. Donc on va essayer. C'est un requin, un petit renard, ça j'adore, un petit hérisson. Là on a un pingouin, un chien et puis un petit chat dans son carton. Donc, bon, voilà, hein, c'est tout simple. Ce sera pour agrémenter ou alors faire des embellissements, des petites choses comme ça. Mais pourquoi pas. J'ai pris celui-ci. Alors Daniel, elle l'avait utilisé celui-ci pour son envoi pour sa participation à mon concours. Hein, si je dis pas de bêtises, Daniel, c'est celui-là hein, que tu as utilisé. Tu me diras hein, si je me trompe. Donc du coup, c'est le. Ah, ça y est, ça m'échappe. Bon, j'ai plus le nom, vous savez ce que c'est. Ah zut, j'ai encore perdu un mot, ça m'énerve. Voilà. Ça y est, le cerf-volant. Ça va bien se passer. Le cerf-volant, le petit ballon. On a encore un nuage ici. Il y a les petits nœuds. J'aime bien les petits nœuds pour ajouter sur la petite queue du cerf-volant. Là, il y a un petit papillon, de quoi faire un papillon. Et puis encore d'autres petits nœuds différents pour ajouter sur les côtés. Je vous montre là ce qu'il présente comme modèle. Donc celui-là, il était à 3,39 €. Voilà, le modèle en plus grand. Et puis, moi, j'aime bien voir ça pendant les hauls. Je vous montre aussi les différentes possibilités, enfin, les autres dice que Action vend. Voilà. Donc, le petit château de princesse, la boîte aux lettres, ça, je l'ai. On a les petits animaux, le nichoir. Après, ça, c'est un paysage. La petite maison dans la forêt, ça, j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Le petit hublot aquarium. Voilà, le pot de fleurs, une île et puis un gâteau de mariage. Voilà. Donc hop, et donc il me reste une planche de dice à vous montrer. Donc c'est celle-ci. C'est donc la superposition de dice qui permet de faire des scènes. Alors ça, c'est ce qu'il vous montre en haut. Voilà. Je vais vous montrer peut-être à l'arrière, ce sera mieux. Donc ça coûtait 3,29 €. Voilà ce qu'il propose de faire avec. Et alors, donc les autres petites scènes qui pouvaient être achetées. Bon, je ne vous les détaille pas, hein, vous pouvez les voir. Bon, les autres ne me faisaient pas spécialement envie. Le petit scooter, j'avais bien envie. Enfin, voilà, mais c'est déjà pas mal. Hein. J'ai déjà pas mal de dice. Et alors, si vous voulez que je vous montre rapidement les trois superpositions des dice. Donc ça, c'est notre fond. Avec des étoiles de mer, des petites bulles. Là, on va avoir le premier contour. Et donc des algues. Des algues, des étoiles de mer et des coraux. Et celui-ci où on a donc le contour un peu plus large. Ah, je suis désolée, avec les reflets, c'est pas pratique. Hein. La tortue avec sa carapace, deux petits poissons, deux coquillages et donc un corail. Voilà, ça peut être joli ça. Même je me dis sur une couverture d'album en transparence, ça pourrait pas être mal. Voilà, pour les petites vacances en bord de mer, par exemple, pourquoi pas. Donc on a fait le tour hein, des dice. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai pris. Je me suis aussi pris une petite maison en bois à construire, les petits nichoirs. Donc là, celui-là, il est sur le thème des abeilles. Ce qu'il propose en fait ici, c'est de colorer avec les aquamarqueurs qu'ils vendent aussi. Bon, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Est-ce que je vais la laisser brute? Est-ce que je vais peindre dessus ou la coloriser comme il le suggère? Je ne sais pas trop ce que ça donne en fait quand on colorise sur ce genre de bois. Bon. On va voir. Alors, il y avait d'autres sortes. Hein. Et donc, ça coûtait 1,99 €. Alors, en autre motif, on avait une petite maison avec des volets et puis un nain de jardin.
et un seau de fleurs, je crois. Là, c'était un peu plus forestier, donc des petits champignons. Et je sais plus ce qu'il y avait devant. Peut-être bien un chat. Je me rappelle plus. Là, il y a un papillon. Voilà. Et donc l'autre, c'était bah, c'est plus thème floral. Donc des fleurs, une feuille, et puis là, il y a une fleur aussi. Donc pourquoi pas. Je vais vous l'ouvrir si vous voulez. On va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Donc on a une petite notice toute simple, hein, vraiment toute bête, avec le montage en bas. Voilà, il n'y a rien à l'arrière. On a une grosse fleur et une abeille. Le toit, donc avec un motif nid d'abeille. Alors, hop, les dimensions, c'est du 10 par 11 cm. Et les parois, celle-ci toute simple, celle-ci à l'avant, je sais pas, au milieu à peu près 10,5. En bas, on a 9. Au plus large, on a un peu plus de 12 cm. Et en hauteur, 17,5. Voilà. Tout simple, hein. Bon, je vais essayer. Je pense qu'il faudra coller. Si je veux pas que ça saute, je vais trouver. J'ai de la colle à bois. Et puis, voilà. J'ai déjà fait ce genre de petit montage avec des choses qui vendaient à Action. Ça fonctionne bien, hein, mais il faut juste les coller pour pas que ça bouge derrière. Alors, qu'est-ce qui me reste? Des 3-4 petites choses, rien du tout. Je me suis repris des rouleaux de mousse 3D. J'aime bien ça, hein. Franchement, c'est super bien pour donner le relief, l'effet 3D à mes créas en scrap. C'est pas mal du tout. Donc, c'est du 18 mm de large et on a 4 mètres pour un rouleau. Et ça coûte 59 centimes. Voilà, pas très cher, hein. Deux petites choses que je me suis prise encore. Donc, ça, c'est pour cet été pour mon garçon. C'est de la pâte polymère qui cuit. Hop, je vous refais la mise au point. La pâte polymère qui cuit au four. Donc les couleurs fluo, rose, orange, jaune et vert. Et puis bah, des bleus, comme il aime beaucoup le bleu. Bleu foncé, bleu moyen. Et puis un parme et un violet. Et donc ça coûte 1,18 € le paquet. Et alors le poids, c'est pas marqué. Je sais pas. Voilà. À découvrir. Ce que je me suis pris aussi, alors donc dans le rayon fourniture scolaire, c'est des tout petits fluos. Alors je les ai ouverts. Des tout petits fluos. Couleur pastel, j'aime bien ces petites couleurs, c'est joli, hein. Voilà, minuscule. Voilà, on a fait le tour de mes petits achats. Bon, c'était beaucoup scrap, mais il y avait quand même des petites choses autour quand même, vous avez pu le voir. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à bientôt, hein, je vous embrasse, bisous.